barrique de blé, où est-ce qu'il est encore fourré, le flanc mou? Donc tu vas, ma jolie? Ton amoureux peut pas être disparu comme une mouche à feu au soleil? J'ai comme un pressentiment qu'il y a de la sorcellerie là-dessous. Raconte-moi donc ce qui s'est passé à midi. J'étais ici avec Thomas. Qui venait d'aller quérir de l'avoine pour Gros Jean. Rosette! Rosette, j'ai les jambes comme de la folle avoine, mais. Oh, Rosette! Vous le mouillez! T'as pas le pied marré après-midi? Viens, attrape-moi! C'est gauche comme un marteau. Oh, mais Rosette, mes modèles de transport, je suis pas un sac de farine, moi. Et puis, il y a Gros Jean qui doit commencer à avoir les oreilles dans le crin. Dans le crin, c'est toi qui le crin. Laisse faire Gros Jean qui t'espère un moment. Oui, c'est qui espère pas Gros Jean. Et puis, quand il s'impatiente, c'est le feu et le tonnerre d'un coup. Attends-moi, Thomas. Non, avance. Attends-moi donc. Non. Besoin d'importunant pour comprendre. Ça peut même lui avoir pris quasiment toute la journée. Il peut lui en servir des rendez-vous d'amoureux. Il va baiser mes petits frères. Pas besoin de me regarder comme un éperlan en frit. Grouille! Mais grouille donc! Le cheval a plus de cœur que toi. Fais-le pas fâcher, vite sur toi. Je te verrai sur la plage à 7 h, au même endroit. Ah, t'avais des rendez-vous d'amoureux, hein? À 7 h, pas de Thomas et le moulin qui tourne pas. Eh ben, s'il tourne pas le moulin de Gros Jean, c'est pas de la faute à Thomas. C'est Thomas qui vous l'a dit? Non. Quêteux. Quêteux, Charlevoix? Mon doux Jésus! Gros Jean sortait du moulin?
Tiens, encore quêteux. Le bloc qui va passer trois fois par année maintenant. Barrique de blé que le monde est plein de feignants. La charité, s'il vous plaît, mon brave meunier. La charité. Pour sûr que je vais te la faire, feignant. La charité. Je vais te la faire et là où tu vas t'en souvenir, truand. Mais aussi bien dire que t'occupes tout le chemin du roi. T'es pas si corpulent d'ordinaire. Bon, bon, bon. La charité pour l'amour du bon Dieu, mon brave meunier. Va, diable! J'ai bien assez de soucis. Si tu penses que j'ai le temps de m'occuper des haridelles de ton genre... Basilique, baribis, des marins, couic, couic, t'entreras en roche pleureuse, le loup usera ses dents sur les pierres ponces, et tu compteras ses plumes par les nuits des 14 lunes. J'ai dit. Thomas, qu'est-ce qui se passe, barrique de blé? Thomas! M'en doutais. Encore lui. Le moulin roule plus. Je vois bien. Faudrait être aveugle pour pas le voir. Oh, je suis pas aveugle, moi, Thomas, mais ça suffit pas. T'as rien à dire? Moi? Oh, j'en sais rien. Comment t'en sais rien? Mais c'est qu'il faut le savoir, mon garçon. C'est pas mon affaire à moi. Regarde ce qu'il a, ton moulin. Ah, c'est pas ton affaire. Viens! Remporte l'avoine que t'as jetée dans le moulin. Il doit y avoir des cailloux dedans. Y a pas de cailloux dans mon avoine, je les aurais vus. T'as les yeux pleins de filles aujourd'hui, c'est guerre de santé pour le travail. Rempoche ce que je te dis. Je rempoche toi-même. Oh, j'ai pas de temps, plus chaud, hein? Si tu penses que j'ai peur, hein? Des cailloux, des cailloux, y a pas de cailloux, je suis pas fou. Et puis? Ben, qu'est-ce que je t'avais dit, gros Jean? Est-ce que tu envoies des cailloux? Pourtant, barrique de blé! Barrique de blé, tant que tu voudras. Le moulin s'est arrêté parce que ça lui tente plus de tourner sous ta commande. Oh, dis donc pas de signifiance. Ah, puisque je te le dis, crois-moi donc. Ben alors, je le connais, mon moulin, moi. Barrique de blé. Mon caillou. Ah, c'est ta voix numéro un. Comprends rien. Ah, il y a de la jalousie là-dessous. T'as vrai que c'est le meunier de Baie-Saint-Paul. Ouais. Mon moulin. Puis les clients qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on va faire? Débrouille-toi. Ouais.
C'est gros, Jean-Pierre. C'est comme si j'avais un abonnement. Qui c'est qui perd sa fiancée deux jours avant les noces? C'est gros Jean Plante. Qui c'est qui élève un frère flambou, des trousseurs de jupons et qui a les mains pleines de pouces? C'est gros Jean Plante. Qui c'est qui a le seul moulin qui est buté comme un âne? C'est gros Jean Plante. Et c'est à lui qu'on demande la charité, barrique de blé. Gros Jean? Ouais. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ben parle au lieu de me garder comme si j'avais les sept plaies d'Égypte. C'est le maudit quêteux qui nous a jeté un sort. Gris bête, voilà ce que j'en fais, moi, des sorts. C'est l'os. Tu lui me l'as fait bien courir après comme un chien pour sa queue, mais... Hé, gros Jean, mon frère, t'as perdu le sort. Le poilu comme une bête à fourrure. Où que tu sois, homme damné, bon Dieu! Barrique de blé, qu'est-ce qu'il l'a pris? Il n'y a plus moyen de se mettre en colère à un volin. Aussi bien se mettre à brouter comme les moutons. Oui. Ah ben. C'est pas ça qui va partir mon moulin, moi. J'aurais bon besoin de m'adoucir le hache viande à bret. Vloche qui moue les malheurs. Je suis revenu du moulin en me disant que je finirais bien par rencontrer quelqu'un qui aurait au fond de l'âme le désir de sauver Gros-Jean et son pauvre frère. Je donnerais mon âme pour sauver Thomas, monsieur Tigeant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut exorciser le moulin. Nous autres? Non, mais peut-être que monsieur le curé a de quoi effaroucher tous les démons. C'est pourquoi nous vous prions, ô divin maître, de chasser de l'âme de nos fidèles le démon qui y habite. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Mes très chers frères, nous allons nous rendre en procession au moulin de Gros-Jean Plante, où il s'est passé aujourd'hui des choses diaboliques. Mais d'avis que Gros-Jean a plus besoin d'eau bénite que de prière, ainsi que son jeune frère Thomas, disparu mystérieusement de par la volonté du Très-Haut. C'est pourquoi nous allons bénir les lieux afin d'en chasser les mauvais esprits. Veuillez donc me suivre dans le recueillement et la prière, et puissiez-vous ne jamais tomber
dans les griffes du malin. C'est la grâce que je vous souhaite de tout cœur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Mère, si je retrouve mon Thomas, je prendrai soin de Gros-Jean, son frère, même s'il est possédé du démon. Et je vous promets que nous nous marierons aux premières neiges. Femme, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Retournez aux enfers, esprit mauvais, et laissez la paix à nos frères baptisés. Allez-vous-en! Ah, chez vous, allez-vous-en! Ayez crainte, mes frères! Allez-vous-en! Du calme! Ah, chez vous! Du calme, mon fils! Pax Vobis! La paix du Seigneur soit avec vous! Que le diable vous emporte à tous! Par ici! Par ici, mes frères! Par ici! Approchez, ne craignez rien, approchez! Sortez, ordure!
C'est le loup-garou. J'ai l'oreille comme ça. On me l'a coupé. Toi, gros Jean, tu es tout blanc. Hein? Ha ha ha!